Conflux, c'est ultra cracopé. Donc là, on essaie quand même de faire payer un peu cher pour Conflux. Parce que là, faut monter à 4K normalement. Et on va pousser là, juste pour être sûr. Tranquille, tranquille. Tranquille. Merde. J'ai capté. J'ai pas envie de lui laisser le rouge avec Conflux. Sinon, je vais me faire. Oui, non, je suis en ouf. Je fais n'importe quoi. Alors, 1K, 2K8. On est à plus 1K8. Et Ovasius, les Zamzam. Et Ovasius, hein, je pense. Je pense que c'est Ovasius. T'es à 2 de rating, Siska? Non, frérot, on va pas jouer SPK, non, frérot. Non, Mizest, t'as juste envie que. T'as envie que mon retour se passe de manière aléatoire, quoi. Petite game Clone Man. Franchement, je pense que Clone Man, ça le fait, hein. Je laisse libre sur le perso? Je pense son gros truc, hein. Et Ovasius. De tout. Tac, 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 on est bon. Tu payes pour jouer Cov. Non, 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 il m'a payé pour jouer, ouais. Flux. Ok, alors. Attendez, parce que là, j'avoue que j'étais pas dans le mode le plus tryhard possible qu'il soit. Ok, vamos. Power stack de tier 2 de trouver. Est-ce qu'on prend les oiseaux direct? Je pense pas. On a quoi? Ok, de la merde. Oh, par contre, le scouting qui peut modifier le 1-1-1. Ouais, en plus, on a un power stack de 51. Ça, on le clone. Ça fait mal. C'est où là les trucs? Ouais, c'est bien. On prend juste pas la pierre et on sort direct. Ça me va. Non, merde! Non, je voulais dire plus! Oh putain! Oh, je suis trop con! Bon, comme il veut. Oh, j'ai fait n'importe quoi là. Dans le lobby, j'ai. Oh, le retour en fanfare! C'est bon, c'est bon. Je vais mettre plus, j'ai mis 1-1-1 comme un zinzin. Ça me plaît moins. Oh là là. Pas de pierre là. Ouais. Ouais, ok. J'ai tenté pour voir si on voulait 1-1-1. On va 1-1-1. Là, c'est terrible. La disposition des mines est atroce. Atrocious. Yo, Ojo! Merci beaucoup Innistrad frérot. GG Simon. Le Jijou. Incroyable. Tac, à nouveau. Oh putain. Oh non, il y a un scroll là. Oh, il y a un scroll. Oh, il y a un scroll. Et on a pas assez de mana pour DD. Oh là 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 là. Après, on va jusque là et on TP après. Vas-y. Oh, la box qui est là, mon pote, c'est terrible. Bon, on est obligé de le faire comme ça, je pense. Je vais faire une dingue. En plus, j'ai plus les binds en tête et tout. J'ai tout changé, en fait, l'emplacement de mon clavier et tout. Donc là, je vais être un peu plus lent pendant, pendant un petit moment. Je vais moins faire entrer, je vais plus mouse click. Ouais, vas-y, tant qu'à faire. Alors, un petit side. C'était château, je crois, hein. Le mid, c'est rempart. Ça, c'est chez nous. Ouais, side château, c'est ça. Side château. Mid rempart. Ouais, bon. 1-2. Ouais, ça va quand même. Ouais, quoique, on a encore beaucoup de trucs à pick up.
Ouais, on a pas trop chatté sur la génération pour le coup, mais c'est pas grave. On a chopé quoi? Bon, c'est pas mal. On attaque un def. Faut que je me réhabitue à... Faut que je me force à taper au clavier là. À faire les entrées genre. Est-ce que je passe par là ou par là? J'hésite vraiment là. Pense qu'on limite le plus la casse en faisant ça. On va essayer de trouver notre petite ville. Bon, ça fait vraiment longtemps, hein. J'ai pas joué à Heroes, donc je vais être un tout petit peu rouillé là où les premières games. Mais bon, on va essayer de faire au mieux tranquille. Aussi, pas jouer pendant longtemps, ça te donne du recul sur ta manière de jouer et tu peux progresser comme ça, donc c'est peut-être un mal pour un bien, entre guillemets. Merci Ini, GG Vif Argent. Salut à toi Vif Argent frérot. Content de te revoir finalement, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Zepisco, bienvenue sur le chat frérot, Yologie. Fais-nous rêver avec ton top tier cov. Yo Bachatalos. Là pour le coup je me suis dit, ça va arriver, c'est arrivé. GG Zepisco, merci beaucoup Ini. Ouais, ça va se faire ça. Bon, pour l'instant, on peut pas encore se battre avec notre magie, mais c'est pas grave, ça devrait être ok. Tout de même. Ah ouais, un one stack, ça me tue? Eh ben. Bah on est à 6, forcément on est sur notre terrain à nous. Elle ne bouge pas là. Oh là là, je fais énorme, j'avais pas vu qu'il y avait le one stack qui était encore en vie là-bas. Oh là là. C'est laborieux. Mais bon, je pense pas qu'on ait pris 30 secondes. Donc c'est tout ce qui compte. Ça va revenir, ça va revenir. Alright. Peut-être pu me mettre là, je sais pas. Il nous manque juste de la gemme pour pouvoir triple build des oiseaux. Une dwelling ici. Ok, autre dwelling là. Est-ce qu'on se la prend? J'ai peur de pas reach la ville si on la prend. Non, si quand même. Ah non, je la reacherai pas. J'aurais peut-être pas reach quoi qu'il. Ok, Earth. Ouais. Ok, bon, on pourra TP du coup prochain tour. C'est vraiment pas mal d'avoir chopé maintenant Earth. C'est go double build ça et on va se faire roost du coup. Les roosts. Vu que ça prend 2 tours pour le plus 3 de prod avec roost. Pour le but d'un 1-1-6. Et ici on fera juste une mage guild. Mais il faut qu'on ait de la pierre, je viens de capter aussi. Aïe 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 aïe. Ça va être compliqué là si on trouve pas de pierre, tranquille. On va en trouver. Attendez, du coup en fait je me rends compte mon panneau Twitch avec le chat et tout. Faut que j'inverse. Comment je... On bouge ça. Modifier... Non. Ah, c'est comme ça. Voilà. Ok. Voilà, comme ça, je vois mieux le chat. Ok. Ok, toujours en train de jouer.
petit bureau de facto ou pas trop? Bah en fait le problème c'est que Facto est pas du tout adapté à duel. C'est une faction qui a des unités théoriquement extrêmement puissantes, mais elle est vraiment pas ouf sur duel quoi. T'as un seul plan de jeu en plus donc c'est pas trop marrant. T'es obligé de rush à 1-4, enfin donc semaine 4, premier mois. Tu fais des Crimson Quattle et tu rush comme ça. Soit ça passe, soit ça casse. T'es obligé de faire ça, c'est ta seule chance de gagner, c'est ton seul moment où t'es fort de la game. Donc c'est... Bon, évidemment, tu peux faire autre chose et gagner. Mais je veux dire, statistiquement et théoriquement, c'est le seul playstyle viable. Donc en plus, à jouer, c'est vraiment pas marrant pour moi qui aime bien un petit peu freestyler et tout. Parfait, on a trouvé un peu de pierre. Est-ce qu'on peut se choper ça en plus? 418. Non, ça passera pas. On va faire juste ça et ça. On va taunt portal. On va se prendre la mage guild. On va finir là, tranquillou. On a chopé view air. Ouf. Erignes! Salut! Incroyable. Salut frérot. Et 2-3 pour le retour du grand chef. Incroyable. Merci beaucoup ma gueule. Bon retour parmi nous, merci. Yolanda. Mais haricots rouges, incroyable. Start de zinzin. Le start est classique en vrai. Le start est classique, il est pas si ouf. Par contre, là, c'est cool. On va pouvoir faire gemme, plus ça, plus pas de morale à l'IA. Là, c'est un objectif incroyable. Parce que du coup, ça va nous permettre de triple build du coup nos oiseaux. Et des upgrades, si on n'en a pas 3, mais au moins 4. On a 3 chances sur 4 d'avoir au moins 4. Et après, ça va le faire. On va pouvoir dérouler. Ça fait que l'IA ne peut plus morale. Et ça, bah, c'est forcément un objectif qu'on aime beaucoup, vous connaissez. Je vais quand même prendre des nymphes, ce sera toujours utile. Tac, tac, tac. Alors. C'est moi joué là. Merci beaucoup Inis frérot. GG lambda. On se met là ou là? Là plutôt. Ouais. Ok, pas de stack upgrade, ça va pas me voler de mana. Ça fait plaisir. Oui, j'avoue, j'aurais dû les approcher, mais c'est pas grave. Tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, tic, touc, tic, toc, toc. Ok, 4, parfait. Dommage. Tiens, 1. C'est vrai que le gameplay de Kov avec Eovasus, ça fait plaisir. Même si pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé son clone, donc ça aurait pu être n'importe quel héros, mais... Savoir que t'as Eovasus... Ouais, si, quand même, ça par contre, l'intelligence... Je kiffe trop ce skill. Je kiffe trop Intel. Alors, on n'a pas forcément... Est-ce qu'on passe par la route? Ou est-ce qu'on veut juste se balader? Parce qu'en gros, on peut push au Conflux pour choper R, là. Parce qu'on a assez de mana, hein, là, clairement, pour si on chope... Magie de l'air pour les double DD. Ah oui, par contre, ils vont être rapides. Là, ça va être chiant. Bon, c'est pas grave. On s'en foutait de ce stack, donc c'est ok. Ouais, on va peut-être garder la pierre, ça on le fera en fin de semaine. J'ai pas fait les roosts? J'ai pas fait les roosts. Ça y est, hop là, le premier musplay de Zinzin. C'est le J. En plus, j'avais pas ton haul ici. Tranquille, tranquille, c'est la reprise. Qui peut me juger? C'est moi tous tranquille. Hop. Attendez, j'arrive, hein. Juste, je fais ce fight et puis c'est bon. Pas mort, hein. Ouais.
Pour arriver à les splits, parfait. Alright. On va revenir sur la route en DD. Bon, parfait. Très belle DD et on trouve en plus de la pierre. Je pense qu'on pourra reach. Hein. Je pense qu'on pourra reach même si on fait ça. Green Dragon. Ouais, on tuera pas. Ah, à moins que je clone. Ouais, dans tous les cas, je vais Mejid. Donc, go faire ça pour économiser nos petites nymphes. Ok. 337 pour en faire deux, de toute façon. Oula. Fini là. Et on Mage Guild. Bon. Laborieux, mais bon. C'est quoi le tournoi que Lexiav streamait? Ah, c'est pas le truc des 25 ans là? Pour Lambda, c'était obligatoire. 8 de Mage 1 à 7, c'est pas mauvais du tout. Oui, bien sûr. Mais sur EOVASU, c'est excessif, ouais. Plus là, nos clones, ils durent 6 tours vu qu'on a 6 de spell po, donc on est tranquille là-dessus. C'est l'UMT. Ouais, le retour. Un homme intelligent comme toi aime forcément ce skill. Frérot, tu me fais rougir devant tout le monde, là? C'est comme le vélo, ça revient bien. Allez, vamos. On va se prendre Air Magic, évidemment. Ok, une chance sur deux de level dedans. Ça, franchement, on a vraiment envie de le faire. Juste, on n'est pas encore forcément assez puissant parce que elles peuvent être genre 30 hein, si c'est une grosse box. Vu tout ce qu'il y a derrière. Mais non, en vrai, je pense que ça va être une box d'oiseaux en plus, c'est possible. C'est possible que ce soit une box d'oiseaux. Après, elles ont 6 de speed, non? Elles sont 5. Eh ouais, elles ont 5 pas upgrade, 6 upgrade. Donc même si j'upgrade mes trucs, on passe à 6, nous aussi, on va être à égalité avec elles, donc ça va être chiant à fight. À moins qu'on passe. On recrute tout. On fait tac plus tac. On se fait un power stack d'océanide. On les clone. Après, c'est vrai qu'on peut se battre avec les clones, mais quand même 20 à 49, c'est beaucoup, hein. C'est quand même pas de la merde. J'essaie de trouver de la box intéressante. Ok. Putain. Ok. LM d'énergie. Ouais, LM d'énergie, donc c'est gratos. Ah non, d'esprit, merde. Donc c'est pas gratos. Combien? 19. Aïe 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 aïe. Avec des dés. Le truc c'est qu'ils vont tuer mes clones, ça va être terrible, on peut pas les bodyblock. Puis me counter pas mal. Hein. Non, j'ai peur que ça se barre en couille. En plus, sur un stack upgrade, on se fait one shot. Non, non, non. Quoi? Mais comment ça, c'est des liches pour garder ça? Oh là, le bordel. Putain. Bon, bah, du coup, on full def en fait. Ok. Ok, ça va. Ok, on peut juste prendre ça et ça. On peut clone, on va back, donc go pas perdre de temps. Ok, en fait, je dis ça, mais on aurait peut-être voulu finir le tour dans une de celles qui ont pas Mage Guild. Hmm.
Non, on va quand même finir mid. Pas but de ça. On va essayer de se faire un power stack d'oiseau. Hein. Trop fort. Surtout avec Eovasus. On va se faire cette box. On va pas upgrade tout de suite. T'inquiète, sa mère. Merci, Nomizes, pour ta réponse. Ouais, normalement, tu cliques dessus et t'as un menu déroulant sur comment. En gros, c'est moi qui mets comment vous pouvez les dépenser, tu vois. C'est des trucs custom que chaque streamer fait. Tu peux même incorporer des. Enfin, intégrer des réactions, genre enfin, des gifs, des sons et tout. Moi, j'ai pas fait ça. Je sais que Winnie et Michav, tu vois, typiquement, si tu donnes des thunes là-bas, enfin, des thunes, pas de l'argent réel, hein, bien sûr, des points de chaîne, ça te fait une animation. Etc. Bon, moi, c'est. Je sais même plus spécialement ce que j'ai. Ça fait longtemps, j'avais retiré des trucs. D'ailleurs, je vais pouvoir remettre les pompes! Parce que là, vous allez pouvoir voir le derrière de. Enfin, le décor, quoi, le sol en gros. Et du coup, si vous pouvez voir le sol, et eh ben ça a à nouveau. Vas-y, il m'a saoulé, hop, comme ça on prend la riposte. Ça a à nouveau du sens de mettre en récompense de me faire faire 10 pompes par exemple. Donc je les remettrai, je les réactiverai. Ok, bon, c'était pas ouf. C'est un duel sur JC? De quoi? Comment ça, c'est un duel sur JC? Yo Player Star! Écoute frérot, on vient de lancer donc je sais pas si ça gagne ou pas mais. Oh! Oh! Ah non, bah après on est déjà à 1, 2, 4 donc ouais, c'est normal qu'il y en ait au moins 50. Tarkual! Yo frérot! Merci beaucoup ma gueule. Je sais pas si c'est ça ou si on go sur la ville pour prendre le point de TP. On s'en prend le point de TP. On peut même se faire la box plus ça, non? Ouais, on peut, je pense. Salut à tous. J'ai activé mon cheat code. Hop là, bien joué. Quoi? C'est tout? Oh la clé. Oh le con! J'avais déjà WDD. Bah oui, je suis en ouf. Oh le fou. Ouais, là, ça passe pas. 1, 2, 3, 4. Ça passe pas. Fais chier. Le con! 4... 280, 560. On est à combien? Ah oui, non, mais on est qu'à 500. C'est mort de chez mort. Ok. À ce compte-là, on se balade ici. Et on finit la prochain tour. Il me faut un peu peur, en fait. Non, comme ça sera fait. En plus, on peut les rush avec le clone. Ok, il n'y a rien qui reach en un tour. Ah, c'est les couilles. Si vous me passez l'expression. Vas-y, allez. Pas trop le temps non plus. Yo Lapin Lio, 10 petits joueurs sans pompe parle. On fait comment s'il y a 10 personnes qui me demandent sans pompe, frérot? Yo Kiki. Plaisir partagé, ma gueule. À quand le fond vert Elgato, à quand live Heroes IRL, cherche des duelings de mecs déter. Ça y est. T'es à nouveau ivre, frérot. Ouais, en vrai, je suis pas sûr que ça passe. Boot. Oh putain, y'a rien à côté. Oh là là, la clim. Ouais, là, c'est pas ouf. Ouais.
On va acheter Water dans le Conflux. Je pense qu'on le fait maintenant parce que c'est trop fort. Bon, c'est une box d'oiseaux, on est très bientôt ultra big. Si ça, c'est une box d'oiseaux, mais j'ai. Je sais pas, on va voir. J'espère que ça en soit pas une. Là, on pourrait trouver des chains ou meteor shower. On a quand même deux, c'est pas mal comme chance. Statistiquement, vu qu'il y a des sorts niveau 4 ban. Est-ce que oui, il suffit d'en faire 1000. C'est vrai que vu comme ça. Mais bah en ce moment, ça va. Je me suis bien buté au sport. J'ai pas stoppé. Ça fait quelques mois là que je me la donne bien. Juste bon. Je fais pas pour prendre du poids. Donc forcément, ça sera jamais impressionnant visuellement. Mais tranquille, mon but numéro 1 déjà, c'est d'être en bonne santé. Et de pouvoir faire les tâches au quotidien qui demandent un minimum de force, quoi. Porter des trucs lourds, etc. Pour l'instant, ça m'a pas handicapé, donc je pars du principe que je suis pas trop mal, ça va. Je pense qu'on TP les Windale. On en profite pour récup ça. Pourquoi j'ai pas fait one stack? Pourquoi j'ai pas fait de one stack? Pourquoi je n'ai pas fait de one stack? Et on va faire ça. Et là, Théma la clim qu'on va leur mettre. Théma la clim! Est-ce qu'il y en a un qui me tue sur une riposte? 3, 6, 9, 14. Impossible. Là, les calculs étaient parfaits. Oh non, je suis en ouf, j'ai tapé. Ah bah si, c'est bon. Pif, paf! Oh là là, c'est magnifique. Non, c'est magnifique! C'est magnifique! Moi, à vrai prayer, en vrai, avec... avec magie de l'eau. Pourquoi pas? Hop, et là, on a assez pour... venir récupérer les oiseaux ici. Après, en vrai, de vrai, est-ce qu'on veut vraiment faire ça? On va pas rester là? On chope ça? Et ça, prochain tour. Non, parce qu'on va pas avoir assez de mana en vrai. On pourra faire et ça, ouais, non, donc c'est bon, allez, vas-y. On refera un aller-retour après, c'est pas très grave. Non, en vrai, on est pas mal là. On est pas mal. 34 oiseaux, on n'a pas encore trouvé de box. On a des stats décentes sans avoir pris le plus de partout. On a pris les 5 points de TP. On a trouvé quoi en break 1 qui est clairement faisable. Ouais, ça va, ça peut le faire, ça peut le faire. Un petit viewer pour savoir où il en est le poteau. Ok, il est sur le point de break. Ça va, on n'est pas trop en retard. Parce qu'on va break certainement 1-3-1. Ouais, je sais pas. Non, pas 1-3-1 parce qu'on va chercher peut-être le plus de partout avant. Bon, 1-3-2 au plus tard en tout cas. Ok, on va aider ici. Oh, c'est. Ah, c'est parce que c'est comme ça et. Ok, d'accord. On se fait ça. Ouf. Ah, on n'aura pas en un tour. Assez, non? Je sais pas, on va voir. Le buff moral alors qu'il y a esprit d'oppression. Ça c'est stylé, ça. Ça, c'est stylé. Ça, c'est du plaise. Là, je reconnais bien mon IA difficulté impossible. Ah, ça passe peut-être, hein. J'ai pas bless.
Oh, ça passe. Ça passe, mais je chope pas la reine. Ça, c'est quand même bien dommage. Mais je pense que ça vaut le coup de pas la prendre. Est-ce qu'on va là pour choper Bless potentiellement? Bah non, on pourra pas choper Bless. En gros, c'était pour me rapprocher de ça. Hein. Vous l'avez aussi compris. Du coup, je me dis... Ça me sert à rien, en fait, d'en build une. Vu que je suis un peu ric-rac niveau pierre. Bah après, on pourra faire de la stockpile, là. On a une armée pour stockpile, c'est vrai, ouais. Ne nous faisons pas chier. Allez, go. Ne nous faisons pas chier. J'ai déménagé son frigo tout seul avec un doigt à skip. Alors, pour le coup, le frigo, on n'a pas eu à le déménager. J'en avais déjà un au nouvel appart, donc ça, c'est bon. Vas-y. On va go. Je sais pas si je veux prendre ça. Ouais, je pense qu'on va plutôt une case plus bas pour pouvoir choper ça. Aïe, 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 dommage. J'espérais trouver un bon break ici. C'est pas le cas. 1100 points de mouvement. On va pas faire ça. Et TP aux 3 villes. C'est du sultan. Ouh, ouais, bof. Ouais, quoique, ouais. Non, si, en vrai, offense, c'est big, ouais. Si, si, ça va. Bon. C'est vrai que j'ai pas, du coup, relevé par rapport aux box, mais on n'a pas eu les box qu'on souhaitait. Hein. C'est un peu dommage. On a eu des corsaires bien useless à deux reprises. C'est con, hein, parce que c'est tier 3 upgrade, on n'est pas loin du tier 4. Ça aurait été insane. Mais... J'aurais dû mettre un petit viewer à la fin. Et sultan, c'est pour des birds, ça honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on se reprend une clim avec des pirates. Faudrait qu'on recharge la partie à la fin pour voir. Mais ça, j'estime ça à des pirates. Parce que ouais, c'est une très grosse value, les sultans, mais le Nyx Fort, on a vu que ça prenait énormément de value, parce que ici on avait quand même tué 60 LMDO, je crois, juste pour le Nyx Fort et une box, et la box était des tiers 1, tu vois. Donc je pense que ça, ça prend beaucoup de value, plus la stockpile qui a quand même une value pas mal, quoi, parce qu'elle est toujours gardée, la stockpile, donc c'est pas un truc gratos, quoi. Et après la box, donc je pense que... Vu que c'est pas 20-49, tu vois, les sultans. Bon, en même temps, 20-49 sultans, hein. MDR. Les cyclopes aussi, j'avais pas vu, ouais. Après, honnêtement, s'ils sont 19, c'est des birds, hein. Mais je pense qu'ils vont être plus 10, 11 que ça, tu vois. Ok. Bon, go break. Ouais. C'est pas ce que je voulais faire. Je disais donc go break. Il a pas encore break? Oh frérot, par contre, si tu dors, je vais te réveiller. Hein. Ok. Oh, c'est ça mon meilleur clone. Ah, c'est con. Petite prise de riposte. Ah ouais. Ok. Armorer. Il manque logs et scouting. Non, on veut logs et scouting. Oh, 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 oh.
Ah, les deux sont free, hein. Ça me fait beaucoup de stats très vite. Après, on a déjà une épée. J'ai pas envie de trop m'embourber non plus parce que je vais finir par manquer de mana si je me bats au mana et que je reste ici, plus WDD, etc. Mais oui, riposte illimité, je suis un fou. Oh, aïe aïe aïe, j'ai perdu combien? Le retour est déjà passé. Aïe aïe aïe. Je crois que j'ai perdu 7 birds. Oh le con. Ah merde. Frérot. Allô. Allô le jeu. Ouais le jeu là. Ouais par rapport au jeu. Alors, la clone. Ouais, en vrai, c'est sur les birds, hein, je pense. Il peut rien reach. Il ne peut rien reach. Parfait. J'ai pris un petit peu de temps, mais en même temps là, fallait pas se foirer. Ah, en plus, ouais, il peut rien reach, mais on est obligé de reclone là, non? Ouais, non, je me suis bien foiré. Parce que là, ça va être. Même si on clone, on va prendre cher. Bon, ça va en vrai, ça va. Ok. On est d'accord. Je vais juste m'en assurer. Ok, super. Bon, pas mal. C'est de la bonne stat, ça qui drop. Si on trouve un tome d'air ou de terre, on peut aller lui plier la tête avec le 25 spell po. Pas et fly et DD et TP. Là, on va essayer de développer assez vite une stables. Si on va pouvoir trade de la pierre. Toujours un pour 3. 1, 2, 3. Ça doit être vénère là ce qu'il y a. Cornu. Cornu qui est plus ou moins gratos là. Hein. Aïe 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 aïe. J'aime pas s'il y a besoin de mana pour ça. Certainement que non. D'attaque. Faut pas prendre de risques. On joue propre. Hop. Tac. Dédé sur là. On se fait ça. J'ai pas beaucoup de mana, faut faire gaffe. Je voulais bless, mais j'ai pas. Après, la Magikarro fait quand même bien mal.
Propre. En plus, c'est nous rouges, ouais. On peut vraiment rush. Il y a du break là, quand même, hein. Non, toujours pas, what the fuck, mais. Merde, j'ai oublié d'équiper Cornu. Je pense, ouais, bah si, on va quand même le prendre. Mais... Enchanteur. Enchanteur. Ok, je sais comment je les nique. Théma. Oh putain, je pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux par contre. Oh! En fait, je voulais avancer lui, clone, et avec les deux clones, tuer les deux des trois stacks, quoi. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Oh, oh merde. Oh merde. Pas parfait, l'IA est complètement débile, là vraiment c'est un euphémisme. Là j'avoue que là, c'est du jamais vu au niveau de la stupidité, c'est parfait. Alors, tac, ça devrait être big par contre. Ah, par contre le moral là, alors... j'avoue que là, putain ouais... Putain, c'est mort-vivant mid frère, c'est quoi cette merde? Ah mais j'ai pas envie de me taper le moins un moral là. On n'a pas les ressources pour... Ah mais si, attends. Maintenant que j'ai c'est d'abord Blacksmith. Oh, j'ai fait de la merde. C'est pas grave. J'avais pu, c'était d'abord bois ou pierre qu'il fallait trade pour ça. Mais ouais, vu que j'ai cornu, c'est bon, je peux trade. On va essayer de build marché. Ouais, là c'est bon, là j'ai l'équipe, la cornue. Quarani frérot, je crois que j'ai loupé un notif. Merci beaucoup frérot pour le sub. C'est le tour, ma gueule. J'étais en full focus, désolé. Yo Goblin Boy, plaisir partagé ma gueule. Yo Jojo, tu as perdu 7 birds, ok merci. Jamais vu un mec qui joue aussi bien le genre du jardin pirate. C'est vrai qu'il y a clairement un air, on en avait déjà parlé. Plutôt side château, non, c'est pas mieux si tu trouves une box d'ange. En fait, le truc c'est que là, tu vois, je suis large devant, donc c'est dans mon intérêt de reach le mid. Déjà, je vais contrôler le mid, ce qui est très bon, et ensuite je vais le rush quoi. Après, oui, c'est sûr que le mid mort-vivant, c'est pas forcément le plus fort. Quoique, si t'atteins le very late game. Il y a un truc qui est extrêmement fort, c'est qu'en fait le sort résurrection sur ce template est ban, hein, mais pas animate dead. Et donc si on atteint genre 2-3-2, tu vois, je vais faire des animate dead. Regarde, déjà la puissance de mon animate dead, 1500 PV de res chaque tour. Donc je me mets prot terre, il peut plus me taper en dégâts magiques quoi, sinon ce sera jamais rentable pour lui. Et je res chaque tour, et c'est une dinguerie. Alors oui, tu peux mettre l'anneau anti-res. Mais ça veut dire qu'il se prive d'Elixir of Life et de Rez avec ses archanges s'il joue side. Donc, c'est une dinguerie. Je pense qu'on essaie de reach. Hein. Je pense pas que ça vaille le coup ça. Ah, quoi que ça se trouve, c'est T6, ouais, ça. Un peu des T6. J'ai pas vision, fait chier.
Vas-y, go rich. J'ai envie de rich ce tour-ci. Oh. On va pas rich si on fait ça, mais en vrai ça va, on est assez proche quand même. Pas besoin de rich, rich, rich. Mais d'ailleurs c'est vrai que je peux tout clean du coup avec ça maintenant. Bah oui, je suis un ouf. Non! Ah, c'est le seum. C'est le seum. Dommage, si j'avais cliqué sur une case à côté, c'était bon. Ah, mais j'ai déjà. C'est pas. C'est pas. Whatever, whatever. Bon, on joue vite le prochain tour. C'est bon. Ça va être rapide dans le prochain tour. Pas grand chose à faire. Et on fait les builds et tout. Ça veut bien moins sa morale. Bah surtout que si tu joues en viré game ici, tu joues plus trop ton biome quoi. Genre j'aurai toujours un stack de birds, certainement un ou deux d'autres trucs, mais ce sera pas ce sur quoi je miserai tout. Donc s'il mise morale, il n'y aura pas de grosses conséquences, tu vois. C'est ban sur duel, ouais. Resurrect, ouais. C'est l'idée aussi. Ouais, potentiellement je joue avec les dragons RS, non? Totalement, Nomizes, c'est ce que j'aurais dû faire, mais... Enfin, faut d'abord que je dépose mes troupes, et après c'est ce que je vais faire. Dans la logique un peu de ce qu'on vient de faire. Après bon, 8 dragons, c'est, on a vu, hein, c'est pas très fort encore. Mais bon, avec la défense qui va monter, etc. On va réussir à faire quelque chose de bien. Et on n'aura pas de perte contre l'IA. Ce qui est quand même sympa. Bon, on a Ogre Fist de quasiment complet là. On a la tête, le bouclier, l'arme ici. Donc il manquera le torse. Anti-berserk, si on joue mort-vivant, on n'en a pas besoin. Ça c'est l'avantage du jeu mort-vivant. Les troupes sont insensibles à berserk, donc tu prends le collier plus 3 partout. Et tu le gardes. Ou alors tu mets le collier moins 2 morts à l'adverse, ça aussi ça peut être très très fort. Hein. Pour ceux qui savent pas comment ça marche, le moral, enfin le pourcentage de moral, le moral positif c'est 4% par moral. C'est-à-dire que si t'as plus 1 moral, t'as 4% de chance de rejouer avec ton unité. 2, ça te fait 8%. 3, ça te fait 12,5. Mais bon, 12, dites-vous 12. Et en négatif, par contre, c'est 2 fois plus élevé. Donc si l'adversaire a moins 1 moral, il a 8% de chance. C'est pour ça que vous avez l'impression de miss moral beaucoup plus. C'est parce qu'en fait, oui, t'as 2 fois plus de chance en symétrie, tu vois, de miss moral que de moral. Parce que moins 1 moral ça te fait 8%, moins 2 moral 16% et moins 3 moral 25%. Donc il n'y a pas un item qui met 0 de moral à tout le monde. Si, c'est celui qu'on a justement, Spirit of Oppression, et on pourra mettre ça. Effectivement, c'est soit ça soit le collier parce que du coup oui, tu peux pas faire 0 puis moins 2. Parce que en gros s'il était à moins 3, enfin s'il était à plus 3, tu mets le moins 2, il passe à plus 1 et ensuite ton Spirit of Oppression le met à 0. Donc tu peux pas effectivement stacker le collier et l'Spirit of Oppression, c'est soit l'un soit l'autre qui est intéressant. Donc oui, effectivement, on va déjà uniquer son moral. Après, pour l'instant, vu qu'il joue LM, il n'a pas de moral. Donc pour l'instant, ça ne sert pas. Mais si il go side, ouais, c'est ce qu'il est en train de vouloir faire visiblement. Là, ça va être intéressant d'uniquer son moral. Ok, donc on va pas le go. On va essayer de jouer Nécropolis et Zamzam. C'est parti. C'est parti. On n'a pas le temps de le faire cette semaine, mais c'est ok. Par contre, on va essayer de jouer vite. Tac, 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 tac. On est 1 pour 1? Ouais, on est d'accord. Tac. Ok. J'ai pas encore déposé mon armée parce que je suis pas encore serein dans mes. Ok.
vis-à-vis de mes dragons, quoi, je veux dire. Faut prendre de la vision là. Putain. Que des trucs où je peux pas d'aider, c'est pas de chance. On peut faire un clone puis TP. Ça sera suffisant normalement, un clone. Vas-y, on va prendre un petit coup, mais c'est pas grave. C'est ok. Nice. Pas mal, pas mal, ça commence à revenir là. Le Mister S. La dingue. Il y a un ping sur Discord. Il y en a eu un, frérot. Je me demandais en regardant les VOD, les capacités N d'unités adverses comme les titans et les effrites est toujours active dans votre version du jeu. Ouais. Et ça a quel impact réel dans le jeu? Très peu. Je trouve ça bizarre que les effrites et génie de la. Attends. Et la N sur deux tiers différents et que Tour et Inferno s'en tapent deux à subir. Attends, que Tour et Inferno s'en tapent 2 à subir. Tour et Inferno s'en tapent 2 à subir. Ah, vis-à-vis de la haine. Bon, frérot, franchement, ça a tellement peu d'impact, c'est rarissime. Hein. Titan-Dragon Noir, c'est un match-up qu'on voit de manière vraiment... Enfin, on voit quasiment jamais déjà Titan-Dragon Noir, parce que les Dragons Noirs sont quasiment jamais build, et les Titans aussi. C'est très rare que ça go late game comme ça, enfin... Ça se fait quand ça go late game, mais bon, tu vois, faut... C'est pas toutes les games. Il y en a ne serait-ce qu'un des deux qui est build, alors les deux à la fois, c'est très très rare. J'ai encore jamais vu, personnellement, je crois. Peut-être une fois, mais j'en suis pas sûr. Et Ifrit, génie, on s'en fout un peu pour le coup, parce que oui, comme tu dis, tu vois, c'est pas des tiers égaux, donc... Dans tous les cas, les génies, tu peux pas en faire un power stack de fin de combat, parce qu'ils se prennent une chain lightning et ils meurent. Donc, on s'en fout un peu, tu vois. Si toi t'es à moins 1, ça te passe à 0. Non, tu restes en négatif. Ça supprime que le moral positif, l'esprit d'oppression. Ouais, il y a l'épée du titan. Pas le pendentif? De quoi tu parles, Lambda? Le jour où ils décideront de bannir Animated Dead, Necro perdra énormément, non? Bah, en même temps, actuellement, c'est une des factions les moins fortes. Donc s'ils bannent Animate Dead, ça enterre la faction, tu vois. Il n'y a aucun intérêt à ban ça. Genre la faction est déjà faible. Donc oui. Mais on va juste espérer qu'il soit pas assez neuneux pour le faire, quoi. Ouais, il va go partout, il va go sur tous les sides, ok. 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 Faut que je bouffe mon cul là par contre. J'ai l'impression de... C'est bon, allez. Allez, il faut qu'on ait le temps de construire, après on fera des trades. Putain, j'ai que de la merde. J'ai pas de truc super bien à cloner. C'est con, c'est que je voulais avancer pour faire jouer leur clone. Ah, il est plus rapide que moi, le con. Et en plus, mes clones peuvent miss morale. Ah oui, j'aurais dû du coup prier revint. Ouais. Oh, c'est la merde. Devenu très vite très chiant, cette histoire-là. Y'a pas de riposte, non, ouais. Pas de riposte ennemi. Aïe, 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 aïe. L'erreur du joueur français, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est ok, c'est ok. Oh putain, ok. On veut trade quoi après? Là j'ai un peu de temps, j'ai 30 secondes, on peut y réfléchir. On va trade ressources rares, on va build la pierre château pour stables et... Les troupes, hein, simplement, donc bois pierre, ouais.
On va pas le recruter, on va pas essayer, il va falloir faire de la place sinon. Ouais, j'aurai pas de temps, c'est pas grave. Ça me pénalise pas, j'ai pas besoin de buter ce tour-ci. Ouais, j'ai du mal avec le timer là, hein. La reprise elle est dure là. Elle est dure la reprise. Je joue trop lentement. Si, si, ça a un impact, c'est plus 50% de dégâts, ouais, la haine Hideyoshi, mais on se retrouve jamais dans des scénarios où ça a un impact, tu vois. C'est plus théorique que pratique, quoi, comme... comme bonus, malus. Le pendentif des titans? Mais c'est quoi le pendentif des titans? Pour pouvoir rester beaucoup, faut que je révise, j'ai le dernier gros examen demain matin sur la gestion des situations d'urgence. Il y aura que l'anglais et je serai chef mécanicien incroyable. GG frérot, vas-y. Déchire tout frérot. Merci, c'est gentil, vas-y, ciao ciao. Yes, j'ai pas raté la fin de la game. Ouais, là, je pense qu'on va partir sur une game longue et on va jouer certainement le mid Nécropolis. Yo Alf! Incroyable. Yo, triple NX? Triple? Triple, c'est mieux. Il y a le retour du G, ça fait plaisir. Extrêmement plaisir, frérot. Je suis comme un ouf. J'ai pas encore grind, donc peut-être que je ferai une pause un moment pour manger, je sais pas. Je vais voir. J'ai pas l'X, c'est vrai. Tu m'avais dit en plus, je m'en souviens maintenant. Hop, alors, ils ont tous les artés dans mon esprit, c'était un emplacement de collier, mais j'ai fumé du chanvre. Ouais, non, c'est la tête, plus 6 partout. Oui. Le collier, c'est le plus 3 partout qu'on a. Inistrad, merci beaucoup, ma gueule. GG Triple X. Le retour du Gide, la résolution 600 par 800. Pourquoi la résolution 600 par 800? Normalement, c'est pas de mon fait, là. Tout le monde m'a dit que c'était bien. Ça peut pas être de moi que tu parles. Tac. On va falloir commencer à build cette semaine. Tac. Et ce serait bien par contre qu'on ait un tome de magie juste pour qu'on puisse se battre en fait, genre. Pour qu'on soit fort, ce serait grave marrant d'être fort. On level up notre scouting, hein, y a pas de... Je vais essayer de lui péter des trucs dans son truc avant qu'il y aille. Ah, je suis con, ça va accumuler les ressources, du coup, enfin les gardes. Oui. Parce qu'en soi, il y a autant de bons items ici que chez lui, que chez nous. Putain, par contre... Oh là 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 là. Ouais, c'est vrai que du coup, on n'a pas les dwellings ici. On va lui péter ça, écoute. J'ai pris les stables ou je me suis TP sans ouvrir la ville? Est-ce que quelqu'un a vu si j'ai bien pris les stables ou si j'ai pas ouvert l'écran de ville qui est nécessaire pour prendre les stables justement? OBCM frérot le A! Incroyable! C'est ma gueule! Qu'est-ce que je fous là? Non, normalement je les ai prises. C'est pas. Ouais, ma speed c'est bon, je les ai prises. C'est le J, ça a eu le chat. Je peux pas rester, mais le cœur y est. Pas de soucis, frérot. Merci beaucoup, ma gueule. Il y a encore un train de la hype qui s'est lancé. On a 61 subs. On était à 28. 29 29. Bah, merci beaucoup. Bon, bah voilà, l'objectif a été atteint plutôt vite, hein. On a peut-être pété les stats, incroyable. Twitch demain, ils vont ils vont croire que je vais faire que des streams dignes de Zerator, là, ils vont me dire prochain objectif 1000 subs. J'ai même pas regardé la finale de la Zilan et tout, j'ai pas trop suivi la Zilan.
Mais il y avait la Zilan ce week-end. J'ai vu StarCraft. Parce que c'est le jeu qui m'intéressait le plus. Mais voilà. En plus, c'est Brood Wars, donc je connais pas trop moi Brood Wars. Bon, alors en gros là. Je sais pas si on est gagnant honnêtement, si on attend jusqu'à la fin. Genre jusqu'à 2-4-2, tu vois. Parce que il va avoir 4 villes. Pour rappel, maintenant, on peut avoir. Enfin, en gros, ces 4 villes là, tac, tac, tac. C'est des villes side. Plus les 2 villes dans les sides, évidemment. Donc t'en as 2 là, plus 2 là. Et donc il va quadruple build ange. Alors ça demande une écho de zinzin. Et théoriquement, il aura. Et après, on va en prendre plein la gueule. Mais si on prend full dueling de tier 6, il y a moyen qu'on ait un power stack de tier 6 qui soit tellement aberrant qu'on puisse gagner, quoi. C'est pour ça que j'ai pris déjà une dueling et que je repère les autres. Après, il y a pas l'air d'en avoir tant que ça quand même. On a vu que 4. C'est pas énorme, énorme. Par contre, on tire la langue en artefact. Honnêtement, on fait des tours pas ouf là. Pas ouf, pas ouf. On trouve pas de bons trucs et ça me casse les couilles. On devrait go Utopia, je suppose. Go Utopia. On prend que les morts vivants et ça. Ça, on le clone. Non, ça, bah non, parce que là, faudra animate dead de toute façon. Bah, on prend que ça du coup. Non, pour le coup, on prend que les chromates. Pas que. Et one stack aussi d'Océanide. Pour qu'ils aient peur, il faut qu'ils aient one stack. Vas-y, fais ça, tac tac. Donc on en a une juste là. Elle est où celle de chez nous? Oh parfait, elle est bien. STP, on fait celle-là en premier. Quoique. En fait c'est plus économe en mouvement de faire celle-là, mais là ça se trouve en gros il y a. Le garde va être un peu chiant à affronter si on a juste ça et nos one stack et il va nous faire perdre nos one stack. Ça, en fait, je préfère être safe et être sûr d'en faire une, quoi. On va pouvoir upgrade aussi... en vrai, non, vas-y. On va pouvoir upgrade, là, ce tour-ci, ça. On upgrade ça. Et ça passe. On prend juste des liches. 40 liches, ça tank. On prend Lich plus Bone Dragon. On la fera après la mousse. Je vais juste d'abord faire ça. Il y en a une en dessous aussi. Donc on level up notre scouting là, c'est bien au moins de se tape. On prend ces petits trucs comme ça.
Nice. On avait la partie. Enfin, on a le torse, donc on a full Iron Fist si on a envie. Et on a la gauze. On va peut-être l'attaquer genre 2-1-7, un truc comme ça. Le truc c'est que j'ai encore envie de le rush. Frère, il a 4 de spell po, gros. Je le prends, je le plie en deux. Mais j'ai pas de putain de tome. Je peux pas me battre sans magie, frère. Enfin, après, tu me diras, j'ai clone. Mais ouais, mais clone, du coup, ça revient à un duel physique, quoi. Et puis, sa magie, même de 4 de spell po, il peut quand même mettre une flèche magique sur mes clones, quoi. Fais chier. Mais bon, c'est pas grave. Faut essayer de jouer light, ouais. Avait stream pendant la Zilan, ils auraient perdu la moitié de leurs viewers. Il a annoncé l'ascension en fin de stream hier. C'est quoi déjà l'ascension? C'est un truc Trackmania? C'est genre comme la Trackmania Cup qu'ils faisaient, mais nouveau? Parce que je crois que c'était lié à Trackmania. Il y a un mode sur SC2 qui combine SC1 et SC2 qui a l'air marrant. Bah justement, je joue moi des modes arcade, waouh, de SC2. Genre en ce moment quoi. Genre aujourd'hui j'ai joué du arcade SC2 donc c'est rigolo. Sinon chapeau et tu dis nom d'invoque. Pas bête. Pas bête. Mais d'ici là il aura peut-être du spepo tu vois. Il suffit qu'il trouve Chain et le torse et puis ça marche plus trop quoi. L'année dernière c'était Trackmania et cette année c'est Fortnite. Ah ouais? Mais c'est quoi du coup le principe de l'ascension? Tu sais, ils faisaient le FFS, là, le Fight for Sub par exemple, tu vois, le principe c'était que c'était 100 streamers qui s'affrontaient pour gagner 100 subs ou je sais plus quoi. 500, bref, des subs. Et oui. Mais là, du coup, c'est quoi le truc? C'est une compétition sur un jeu. Ok. Merci beaucoup, Nistrad. GMT. Oui, comme ça, ok. Mes trois plombes à cliquer et en plus j'ai pas assez tradé. Ça me casse les couilles frère, je peux rien faire, c'est trop fort, je vais me faire péter la gueule. Aïe. Je... Ok, bien. Merde, je me clique, c'est pas grave. Ok. Jamais go. Mais comme ça, on fait peur. On lui fait croire qu'on veut le go. Alors que pas du tout, mon pote. Mais genre là, jamais tu veux fight ça si t'as ça, toi. Il sait pas qu'on a pas de spell. Il va soit se défendre, soit rien faire. Ah, d'ailleurs, je vais pouvoir lui reprendre sa ville en plus pour le faire chier. On passe par Utopia histoire de pas perdre notre tour. Bon, encore un tome useless, hein. Tome d'eau. Ça bouge pas. Tome de feu, tome d'eau, là, on les a, hein. Y a pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Tous les tomes useless, c'est ici, ma gueule. On est bien en écho. Ici, c'est le bunker où il y a le troisième château Nécropolis, mais en vrai, bon.
Ça va être de la merde, on va se faire outscale. Faut vraiment qu'on le go. Je vais le go, on va le go. On va le go, on est obligé là. Donc on prend là, on finit notre tour ici, ensuite on remonte ça, on prend ça. Donc on veut le faire chier là. Ça va pas le faire sinon. On va pas avoir assez de prod. Les box... c'est des box de liche qu'on a. Ça peut être des vrais box en vrai quand même. Je sais pas. Il y en avait marre de faire des compètes sur... que sur Trackmania, ok. C'est quoi le 62 sur 40? Nombre de subs. Je suis à 215, il me semble. Non, non, mais en gros, c'est l'objectif que m'a mis Twitch. En gros, j'étais à 29 sur 40 et c'était l'objectif d'atteindre 40 sur la chaîne. Et sauf que, bah, on l'a plus le vert, quoi. Parce que là, du coup, on est à 62. Et je l'ai activé pour que vous puissiez voir ce nombre de subs parce que, moi, en tant que viewer, j'aime bien savoir le nombre de subs qu'on les. Les streamers, du coup bah comme ça je donne aussi l'info quoi. Ouais c'est vrai que oui forcément du coup en fightant avec tout. Ah ouais. Ah ouais. Il avait assez de speed pour faire ça l'énorme enfoiré. Ah bah tu m'as bien cassé les couilles du coup là. Bon, c'est pas grave. Mais putain, frère! Gros, les deux tomes! Et je reach pas? Non. Par contre, pitié. Non. Oh le fou, il me l'a laissé. Oh l'inconscient. Oui, je casse tout. Non, les Arthés c'est full random frérot, donc théoriquement tu peux en théorie avoir que le même item qui pop 50 fois sur la map. C'est juste que statistiquement ça n'existe pas. Mais non, non, non. Il y a des items qui n'apparaissent pas sur la map des fois. Donc si tu cherches. Tu veux assembler PTDF, nous ça nous est arrivé où. Je crois que sur la map il n'y avait pas une des 9 pièces de Power of the Dragon Phaser justement. Pour faire l'assemblement par exemple. Le double tome est abusé, frérot. Quoi l'objectif de Twitch? Non, mais il n'y a pas d'objectif. Hein. C'est, il y a ça sur Vlali, chaîne de streamer. En gros, genre j'ai lancé le live, ils m'ont dit mettez un objectif d'abonné. Et en gros, moi je m'en fous de mettre un objectif d'abonné. C'est juste que ça permet de voir justement d'avoir une barre. Et vous savez du coup le nombre de subs qu'il y a, tu vois. Sans ça, vous pourriez pas savoir. Il n'y a que moi qui saurais. Du coup, comme ça, vous voyez. Encore une fois, parce que moi, en tant que viewer, j'aime bien voir le nombre de subs qu'ont les streamers. Je trouve ça intéressant. Et du coup, bah là, je vous donne aussi l'info des fois que ça en intéresse d'autres comme moi, tu vois. Attends, comment on l'a eu au bluff? En vrai, il nous attaquait, on avait aucune chance. Hein. On commence à avoir quand même pas mal d'attaques, ça fait plaisir. On a magie du feu donc sur notre 1 on devrait quand même pouvoir mettre ça.
Ok, allez. Est-ce qu'on va le chercher ou pas? Ouais, ça va te faire trop chier en fait. Il peut plus m'outscale si on prend ce côté en fait. Oh, mais c'est Archange ça! Attends, c'est Archange ça! Hein. Ah oui, foudre! Ah, il y en avait que 10, mais c'est cool quand même. Go, on fait encore ça. Par contre, là maintenant, il est plus sûr de gagner. Là. Enfin, bon, lui, il n'en sait rien. Hein. De son côté, rien à bouger de son POV, mais bon, on sait que on est beaucoup plus serein. Après. On va essayer de rush quand même des Dwellings en fin de semaine là. Il faut qu'ils reprennent ça aujourd'hui. S'il ne le reprend pas aujourd'hui. Ah non, quoique, il pourra toujours le reprendre. Donc je finis mon 1-4-7 ici. En fait, il faut mieux que je finisse mes tours ici pour défendre ici plutôt qu'au mid en fait. Après, ça me demande tout le temps de faire un TP en fin de tour. Ça me demande un peu de mouvement quoi, mais. Voilà. En plus, on a des trucs à prendre autour là. On a une bonne Dwelling ici, une bonne Dwelling ici. Ça va. Très beau les archanges. Les archanges à cheval, frérot. Remarque, t'aurais pu avoir des griffons. Frérot, c'est vrai que. Vu comme ça, qui suis-je pour me plaindre? Oh, il sait une animation archi. De l'émoticône, là. Ta frère, elle est. Ultra haute qualité, genre. Enfin, elle est tellement fluide. En plus, moi. Team 9 avec des gants de boxe, frérot, forcément, ça peut que me plaire. Du pige. Du pige. Elle vient d'où là? Je vais checker parce que franchement je kiffe. Cuppy Fight. Captain Cuppy Cake. Bah c'est très stylé le. L'anime. J'ai fermé mon héros sans faire exprès. C'est bon. Ah! Oh, mais il a rien! Ah ouais, s'il a pas la speed prio, il meurt. Je chain en un tour, il a perdu. Mais il a la speed prio. Oh oui, par contre, regardez ça là sur le trajet, frérot. Frérot, le petit plus de partout là. C'est Noël ou? 1930, faut. Par contre, faut qu'on se mine le cul parce que. Ouais, 1930, ça va être très crack pour Rich. C'est à cause de ça là qui me ralentit à fond. Ouais, tu me diras ça aussi, c'est pas très rapide les autres à 7, mais le 5 quand même c'est terrible. Donc je pense que c'est DD ici, on grimpe tout droit et on DD à la latérale et puis on est bon. On aura même une orbe d'air qui nous attend ici. Ouais, on lui a niqué tout un side là. Avec un seul side, il peut pas m'outscale. Et donc on part pour du late game. Griffon éternel. Oh, Griffon éternel en fait. Bon, je vais peut-être fermer. Je vais fermer la fenêtre, je pense. Parce qu'il commence à faire un peu nu. Incroyable. Griffon éternel. Du coup, il a fait quoi là? Il est venu là, il a fait l'Utopia et il est parti. Ok. Bon. Je m'en foutais total de l'Utopia pour le coup. Il est où là? Je suis con ou quoi? Bon,
Ok. Ah, d'accord, ok. Ah, il défend? Est-ce qu'il défend? Donc il est juste dans une de ces villes, je sais pas où. Super. Bon, bah là, ça nous a mis extrêmement bien. Tac. Non, enfin, on défend là-bas comme on a dit. Il y a une guide des mages, ouais. Ok. Merde, pardon. Pas mal. Pas mal, pas mal. 3-7, c'est ok. C'est ok. Faire ça, ça. J'hésite en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà eu une box, donc on en a pas mal des tier 7, donc faire le power stack de tier 7, c'est jouable. Et là, on lui nique tellement de prod, genre... Il avait commencé à le build ou pas? Il a fait que des trucs pour build stables, là, en soi. Même s'il n'a pas build stables. Et là-bas? Il voulait le build, je pense. Parce que s'il fait ça, sans faire stables, en fait, les spadassins, t'as aucun intérêt à les build si ce n'est pour stables ou pour jouer ta ville. Donc tu vas faire stables que dans une de tes deux villes. Donc si tu le fais dans deux villes, c'est pour jouer la ville, tu vois. Donc je pense qu'il avait pour ambition d'effectivement build ses castles side. Et qu'on l'a bien eu là. On l'a bien mis dans la panade. Et là en plus on contrôle bien la zone là justement pour récupérer des objectifs bonus. Genre son plus de partout et l'orbe d'air là. Donc on a déjà récup. Hein. Et en plus lui du coup forcément on lui nique toutes les dwellings, on lui nique deux villes. Ça il peut la reprendre, mais celle-là il pourra pas la reprendre. Donc on lui nique vraiment une ville, la moitié du biome, les box. C'est parfait. Donc là, c'est lui qui devrait me rush. Là, en fait, là, pour moi, son plan de jeu, du coup, tu vois, si je n'avais pas attaqué, il est plus fort que moi en late game. Sauf que maintenant, je suis plus fort que lui en late game. Donc là, c'est lui qui va devoir m'attaquer. Donc son plan de jeu pour moi, c'est build Archange cette semaine et m'attaquer à 2-1-X, quoi. 2-1-3, 2-1-7, peu importe quand il veut. Mais semaine pro. Yo, Forge Biscuit. Ravi de te voir. Ça fait plaisir, frérot. Yo, Hurricane. La forme sur ce retour après tant d'années. Frérot, j'ai. Je suis à la retraite hein, maintenant, ça y est. J'ai 65 piges, mais toujours toutes mes dents en pleine forme. Donc ça va, je suis prêt à reprendre du service, quoi. Et c'est juste ce que je suis en train de faire. On l'a vu faire un truc? Non. Okay. La SOJ, on l'avait avec les 20-49 dragonteurs ici. Alors. Ok. Ouais, il fait son side. C'est normal. Innistrad, merci beaucoup frérot. J'ai Hurricane. Tac 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 tac. Bim bam boum. Pouf pouf paf pif pif. La seule. Là, on est bon. Est-ce qu'on veut build un truc? Non. Alors, est-ce qu'on se fait ça avant de faire Redwing? Ouais, parce qu'on va pas y revenir. C'est excellent ça. C'est excellent, il focus que les undead. Ça me va parfaitement. Relish, c'est dérisoire.
Ouais, ça passe, ça passe. Il y a une autre horde d'air ici. Homme de terre. Ah, j'aurais dû. Oh non, je savais pas. Des zamzam ici. C'est un message de participation active pour mériter mon salaire de modo, passez votre chemin. Oh, tu viens de me donner un ordre là, tu viens de me dire passez votre chemin et après t'estimes mériter ton salaire, frérot. Ok, je vois balle. Y'a pas de soucis, frérot. Je vois l'ambiance. Et alors, 21h43 en plus, normalement tu dors déjà. Tu t'es réveillé pour me dire ça. C'est quoi, je rename un dragon des forêts Innistrad. Total War Warhammer 3. Putain, ça me tente vraiment comme jeu, frérot. Parce que moi, les Total War, j'aime beaucoup. Hein. C'est. Moi, Total War, c'est entre Civ, donc les civilisations, et StarCraft 2, genre. Ouais, les RTS, genre. Alors, oui, c'est du tour par tour, donc c'est beaucoup plus proche des 4X sur Civ. Mais. Oui! Go 4, 5, 6 mois, comment ça? En tout cas, merci beaucoup, The Kikiki. Et ça me tente pas mal parce que moi j'adore tout ce qui est fantasy, tu vois, comme ça, genre. Dès qu'il y a des orques et tout, comme dans Heroes, quoi. Seigneur des Anneaux, tout ça, tu mets 30 000 types de créatures, moi je suis aux anges dans ton univers, y a pas de souci. Donc Warhammer, ça me plaît beaucoup, forcément, comme beaucoup d'univers high fantasy comme ça. Et du coup, vu que c'est justement deux types de jeux que j'adore, les RTS et les 4X. Tout ce qui est jeu de stratégie, en général, je kiffe. Ben, ça me tente bien, mais. Ah ouais, toi aussi, tu kiffes Inny? Je joue avec toi quand tu veux, Corigny. Et tout à voir, c'est vraiment cool. Putain, il y a tout le monde qui s'est méga hype. C'est la stratégie au tour par tour, mais de la tactique en temps réel. Exactement, et c'est ça, oui, il y avait quand même ce délire, ouais, parce que. Alors là, on va voir les anciens. Parce que certes, j'ai que 26 ans, et je sais que c'est plus que. Enfin, c'est moins, pardon. Que la plupart des gens qui regardent du Heroes, mais. Attendez, je joue juste le tour, je reprends après. Ah le bâtard, il me rush. Je sais pas s'il me rush. Non, je suis pas sûr qu'il me rush. Je pense qu'il a pas assez de mana pour faire ce qu'il est en train de faire. Parce que je craignais qu'il passe. Bref, tac. Pas recruter histoire d'être quand même pas un rigolo. Attendez, parce que là, niveau timer c'est chaud, c'est pour ça, hein, je suis obligé de me focus là. Ok, et là on joue qu'à ça. Les bâtards, ils m'ont fait un truc qui va me niquer. Je vais pas pouvoir tout raise. Putain, les connards. Non mais c'est. Bon, c'est pas grave, vas-y, My bad, j'aurais dû faire qu'un seul stack, c'est pas grave. Allez, next. Parfait. Comme prévu. Nice. Super. Prochaine fois, on commettra pas cette erreur. Pense pas qu'il veuille me go, honnêtement. Ok. Alors, Yo Arc, je voulais dire par rapport au Total War. Ok, vous voulez faire les anciens avec moi? À jouer à Rome Total War et à Shogun Total War maintenant.
Je te parle de ceux de 2000. Même pas, je sais même pas. Non, même pas. Shogun Total War, ça doit être avant 2000. Hein? Moi, frérot. Je me souviens même que les geishas, elles pouvaient pas mourir. Ouais, bah je me doute qu'en vrai, la plupart d'entre vous aussi, en vrai de vrai. Juste pour vous dire que je suis de votre team. Je suis pas un faux. 220 heures, 1173 heures, 1154 heures sur le 1, 2, 3 respectivement. De, justement, de Warhammer. J'ai 300 heures sur le 1, 900 heures sur le 2, 300 heures sur le 3. Putain, vous êtes chaud. 600 heures sur le 2. Clairement, tout d'abord Warhammer, quand on aime le fantasy, on est bien servi. Exactement, frérot. Shogun 1, même la démo dans PC. Dans PC jeu à l'époque, ouais, ça va rendre moi, je... J'étais pas né. Mon premier Total War, c'est Warhammer, ok, ok. Pas né non plus. Après, moi, si c'est avant 97, j'étais pas né non plus. Hein, parce que Shogun Total War, pour le coup, c'est vraiment à l'ancienne. Ok, c'est 2000. Mais attends, du coup, Rome Total War, alors, il y en a un des deux qui était avant. Ah non, ouais, non, Rome Total War, c'est 2004? C'est pas plus vieux? D'accord, bon. Bah, Shogun, en tout cas, voilà, 2000. Donc, j'avais que 3 ans aussi. Hein. En même temps, vous me connaissez, je vous ai dit, hein, moi, je jouais à Heroes à 2 ans, frère. Enfin, bon, je jouais à Heroes. On se calme. Je m'imprégnais de Heroes à 2 ans, on va dire. Le premier, c'est Shogun. Ah, c'était le premier? Bah, voilà, bah, je suis le OG originel, frère. Ha! Je peux pas me tester. Ouais, je me disais bien qu'il allait pas me go. C'était trop tôt, il est trop derrière encore en stats. Bon, là on arrête de faire le con, on prend juste ça et puis voilà. Par contre là on va commencer à se régaler là. On va pouvoir tout faire sans la moindre perte. Ça c'est carré. Les gaffes à pas tuer sur la riposte, hein. C'est pour ça on défend puis on tape. Oh mais putain, on peut aller chercher la box de spell ici. Oh. Est-ce qu'on se fait tout de suite? Ah dommage, ça va être une box de merde. Ah putain, vraiment de la merde. Ça aurait été délish encore, mais... La belle box là, mais elle est un peu loin. C'est dommage, ça c'est une box de tier 6. Ah non, point douté. On va chercher la... Il est où? Peut-être Murich là, ça me plaît pas trop. On va rester tranquille. Comme ça. Attends. Oui, ok. Et on va... Prochain tour, faire Dragon Fantôme, on va upgrade. On devrait avoir assez. Mercure, on est bon. Tac, tac, c'est bon. Ok, prochain tour Dragon Fantôme. Là, on a Box plus Dwelling. Ça fait plaisir. Oh, on a beaucoup de Dwelling hein, quand même. De tier 6 et 7. Vu que c'est pas des créatures surpuissantes. Même si, bon, les tier 6, c'est Astro Broken. Mais bon, ils ont que ça. Donc forcément, faut leur en donner. Né, du coup. T'as un buff immortel, une geisha, c'est pas réservé aux enfants ce buff dans les jeux vidéo. Non mais si, à l'ancienne elle pouvait pas mourir. Si tu veux des mélanges de genre, je propose Spellforce, frérot. Alors là, Triple X, écoute-moi bien ce que je m'apprête à te dire. J'ai joué à Spellforce, il y a, je peux te dire tout de suite. J'ai joué à Spellforce il y a 4 jours, frérot. D'accord? Il y a 4 jours. Je peux pas te dire mieux. Il y a 4 jours, frérot, j'étais dessus. Aïe, aïe. Et ça aussi, j'y avais joué quand j'étais tout petit. J'ai testé le 2 et le 3, je les ai trouvés éclatés. Le 1 est insane. Après, je suis pas un expert du 2 et du 3 parce qu'ils m'ont très très vite saoulé. Enfin non, le 3, j'ai pas testé. Mais le 2, j'avais l'impression que c'était un RTS où il y a absolument aucun skill. Genre, toutes les unités font 0 dégâts. J'avais l'impression qu'il y avait aucun skill. Mais
Mais du coup, voilà, le 1, par contre, c'était vraiment de la folie. C'était trop, trop bien, ça. Spellforce, c'est un... Tu peux jouer soit en RPG, soit en RTS. Mais c'est en temps réel, dans tous les cas. C'est justement, hein, c'est pour ça que c'est un mélange de genre. Attends. Ouais, frère, on va les broyer les culs, là. Il y a même pas d'armée. On devrait limite le go, là. En vrai, je devrais limite le go. Mais on va quand même prendre la box of spells, ça va nous rendre beaucoup plus puissants. Elle est pas mal en vrai la game là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la kiffe bien pour un retour, ça se passe pas trop mal. J'ai fait quoi là? Ouais. Cette espèce ça peut pouvoir être utile. Et là on est rapide en fin de tour en plus. Super. On va se faire ça prochain tour et la box all spell. Vous connaissez la chanson. En plus on est full. Il faudra juste les orbes. Et justement c'est ça. C'est ça qui est intéressant dans le fait d'aller chercher la box all spell. C'est que ça nous libère énormément de place qu'on consacre au tome là. Et vu qu'en plus on a les 4 magies, c'est vraiment une dinguerie quoi. On va pouvoir avoir Berserk, etc. On va le forcer. S'il n'a pas le collier Berserk, il a perdu. S'il n'a pas, tu vois, on peut vraiment avoir beaucoup plein de jeux. On peut jouer Prayer, on peut jouer plein de trucs. On va pouvoir vraiment mettre à profit nos 4 magies sans nous monopoliser notre espace d'inventaire divers avec nos tomes. Du coup, on va pouvoir récupérer plutôt une orbe d'air, l'anti-moral, orbe anti-dispel, justement, parce que s'il veut dispel notre prayer, justement, bah non, tu vois, des trucs comme ça. Faut bien le foutre dans la panade. Warcraft 2 puis Heroes 2, mes deux jeux préférés. Bah pour le coup Heroes 2, je vais bientôt le stream. J'ai grave envie. Le 2 m'appelle beaucoup en ce moment. J'ai envie d'y jouer depuis quelques mois. Donc je vais bientôt m'y mettre justement. J'attendais de... Le regard frérot, j'avais pas vu. Merci beaucoup frérot. Mon premier jeu, c'est Zeus, le maître de l'Olympe. J'ai jamais joué. C'est pas c'est aussi un RTS, ça, non? Il joue à tout, il ne stream pas de Heroes. Où va le monde? Comment ça, il ne stream pas de Heroes? Heroes 3 et Age of Empire 3, premier jeu. Ouais, Age of Empire 3, j'y avais joué à l'ancienne aussi. J'avais bien aimé, hein, parce qu'il a été... tu sais, c'est un... Genre Yoda qui parle de ça comme la décadence de la série et tout. Genre ok, le 2 est légendaire. Mais c'est pas parce que le 2 est légendaire que les autres sont pas bien. Regardez, Heroes 7 c'est de la frappe. C'est juste que c'est pas aussi légendaire que le 3. MDR. Mais en gros ouais, moi franchement j'ai aucun problème avec celui-là. Oh mais du coup c'est les box au mid. Ils récupèrent l'autre ville. J'avais même pas capté qu'on était du bon côté. Ça va être les box mort-vivantes normalement ça. Oh, oh la folie furieuse. Théma. Boum. Théma. Boum. Oh frérot, les 20 Black Knight. Oh frérot, les 20 Black Knight. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Elle est là-bas, la box, du coup. Ouf. Héros, ouais. Attention, attention à l'armée qui commence à pointer le bout de son nez. Va falloir récupérer bah, tous les items pour se battre. On n'a pas besoin d'Elixir of Life. Donc qui dit pas d'Elixir of Life dit pas d'Elixir anti-res quand même. Pour le coup, vu que notre setup. Vas-y, va falloir que j'y réfléchisse. J'y réfléchirai quand on aura passé notre tour. Je fais quoi pour attendre pour passer mon tour là? Rien, je sais pas ce que je branle. Ok. Du coup, les anneaux, qu'est-ce qu'on voudrait? Anneaux 10% d'interférence. Et anneau. Ah, normalement, en fait, soit tu prends Elixir of Life, soit tu prends anti-res. Mais du coup, quand tu joues mort vivante, tu fais aucun des deux. Donc là, j'avoue qu'en termes d'anneau, le moins 10% de spell po, c'est ultra fort ici. Mais mis à part ça, je sais pas ce que je vais aller récupérer. Hein. Oui.
Yo Florian, t'as joué même hors ligne pendant le déménagement? Ça dépend à quel jeu tu parles, mais j'ai pas joué à Heroes depuis que j'en ai pas stream en tout cas. Ouais, ça y est, le regard. Merci beaucoup frérot, GG Brain Kite. Merci le regard. Prince of Persia sur Atari, un de mes premiers jeux. Et Civ 1, pas loin ou avant ou après. Moi, mon premier Civ, pour le coup, je suis arrivé tard sur Civ. Civ, j'ai joué au 3, moi. Sur la Xbox 360. Donc, j'avais genre déjà 13 ans, un truc comme ça, c'était en 2010, tu vois. Je remonte un peu de chat, je sais pas si j'ai loupé. Premier jeu Astérix. Premier jeu Astérix et le chaudron magique sur... Attends, c'est quoi CPC 64? C'est quoi CPC... Non, attends, c'est quoi CPC 64? Parce que 64, forcément, je connais la Nintendo 64, mais... C'est quoi Commodore? C'est quoi CPC? Jazz Jackrabbit? Je connais pas, frère. Attends. Merci, ma gueule. GG Thomas, merci encore, le regard. Premier Civ, c'était sur CD démo. Civ 3 sur console, ça se joue ça? Bah ouais, c'était... Ouais, c'est... Moi, oh, c'était sur console, en tout cas. C'était sur Xbox 360. Ok, il est là. Honnêtement, j'ai envie de faire une grosse bataille. Il peut peut-être nous battre en late game avec full archange et tout, mais... J'ai jamais eu l'occasion d'avoir une grosse armée mort-vivant, je crois. En tout cas, c'est très très rare, donc j'ai envie de me faire kiffer. Donc faisons-nous kiffer pour le retour en fanfare. Oh oui, en plus, en vrai de vrai... Merde, j'ai oublié de build dans l'autre avant. Oula, attends. Attendez, parce que... Ok, normalement, il faut me faire des pertes que sur un seul stack. Voilà, parfait. Ouf, ouf. Boum. Ensuite, Oh putain. Oh là 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 là, gros. Black Knight plus double dueling de T7. Là, ça commence à pas rigoler, les tours qu'on fait là. Hein. Là, par contre, ça commence à vraiment pas rigoler. Ça pour le plus 1, là. Des petits dégâts. Plutôt décent. 50 spell po, by the way. Je dis ça, je dis quelque chose. Ouais, on va partir par là. Vas-y, on a beaucoup de trucs à faire, de toute façon, on est dans le désert. Le tour à 20 Black Knight, frérot. C'est vrai que là, par contre, si on enchaîne les tours comme ça, ça va commencer à être gênant pour l'adversaire. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, build l'autre ville. Boum. Boum. J'aurais pas eu le temps même si on avait construit la semaine dernière. Enfin, hier, donc y a pas de problème. Okay. Oh là là, le kiff! Frérot, le kiff, cette game! C'est ce stream en fait, c'est pas juste la game, c'est... Et vous et la game là, c'est dinguerie. CPC, c'est un... Amstrad, je sais pas du tout ce que c'est. Auto, c'était pas un commande de like? Je suis tombé sur la game Abracadabantes de 2h45. C'était pas mal les stats aussi. Ouais, bien sûr. Celle où on cherchait les caméras cachées là. Mon préféré Civ 2 avec le conseil joué par des acteurs. Le mec qui faisait le luxe, c'était Elvis Presley. What the fuck? Vous faites un stack de squelettes aussi? Non, impossible. Je pense pas. Je saurais pas comment faire. Stack de squelettes, en gros, faudrait tout recruter et passer dans le Skeleton Transformer, on est d'accord. Mais j'ai pas assez build, je pense j'en aurais genre... 800, même pas, genre, je sais pas. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup, le regard. GG Pons. Je fais le remake sur Switch. Moi, j'ai jamais joué à la Switch, donc déjà, c'est sûr que non. Et cool à part les drops de FPS. Ah oui, non, pardon, vous parlez de Link's Awakening. Ok, ok. Je connais pas. C'est une sorte d'ordinateur à l'ancienne. Ah, c'était une sorte d'ordinateur l'ancienne que j'ai revendu une misère en vide grenier. Ok, d'accord. Attends, frérot, j'autorise ton message Barastor parce que ça. Ça a mis 8 bits et apparemment c'est TOS. MDR. Attendez. Oui. Oui. Le regard, frérot. Merci beaucoup. GG Sebs.
Je me demande s'il veut pas me go là. Et il aurait certainement raison de me go. Donc on va se préparer à toute éventualité. Il nous faudrait déjà... Je pense on prend ça plus l'ordre d'air. Ouais, ça me paraît pas mal. On peut jouer défense vu qu'on joue magie. Ouais. Non. Ok. Parce que là, il peut me go. S'il veut me go depuis ici. Et c'est vrai que j'aurais pu le go en fait aussi. Parce que je le stompe toujours là. Ah ouais. Sachant qu'en plus, on n'a pas vu d'archange. La unité la plus puissante, c'était ange. Donc, ouais. Là, pour le coup, c'est un carnage. On va juste aussi se permettre de faire un petit truc comme ça. Ah non, merde. Ah non, j'aurais pas assez. C'est pas grave, j'ai flop. All good, all good. Ça du coup c'est plus utile, du coup on finit plutôt notre tour comme ça. Oh, pas le con. Hop. Frérot, je peux pas t'autoriser à dire c'est qui Innistrad, frérot. Les Zamzam, on a... Enfin, merci mille fois tous ceux qui ont sub, et évidemment Innistrad et Lorgar. On est à 70 subs, on était à 29, en plus, encore une fois, je suis en 50-50, là, donc je touche 66% de plus qu'avant, donc merci mille fois pour le coup, parce que vu que là, je vais me la buter au stream, on sait pas ce que ça va devenir, et c'est plus apprécié que jamais, on va dire. J'ai pas steak, merci encore, Lorgar, frérot. Le regard, il compte une minute et il gift. J'ai une sorte de décompte. Il a combien de spell power maintenant? Il a 20, un truc comme ça. Ouais, 18. Innistrad, c'est une extension magique. Oui, c'est vrai. Au fait, je viens de regarder les vidéos sur The Emperor of the World et vraiment, cette map est trop bien. Ouais, tu parles du 4 ou du 2? Non. Non, c'est bon, tranquille, ça va se reco, ça va se reco. Attendez, dites pas que c'est Mako par contre. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai vu mon retour bouger. Il en a fait combien? De quoi, frérot? Ah, des gifts? Ce soir, il en a donné au moins une bonne vingtaine. Je fais pas de mytho. Il s'avait tellement régalé qu'il y avait un mois où tous les viewers étaient subs et que ça a donné des subs à des personnes aléatoires. Exactement. C'était quand même une story de ouf, hein. Y'a pas beaucoup de streamers qui peuvent dire ça. Lequel Hurricane? Parce qu'on avait fini le 2 et... Oui. Gros. Est-ce que t'es en train de me dire que j'aurais dit une centaine, tu m'aurais donné 100 là, frérot? C'est quoi ce délire? Non, par contre... Bah... merci mille fois, ma gueule. Merci beaucoup, leur regard, gros. Je vais remercier... Enfin, je vais féliciter tout le monde, là, mais... GG Tirtos, Ruka, Niolo, Trad, Ninios, pardon. Guano, Orphea, Luc, Octo, Ojo, HX, c'est Spaz. Oh là là, le Spaz. Spaz 12 sur Modern Warfare 2. Pour ceux qui s'en souviennent, le pompe qui avait une portée de sniper, MDR, Fabine, Klim, Talk, Earpool, Itzy, 1987. Hein, je crois que c'était 97 comme moi, mais non. À 10 près, Kerm, Nikior, Captain Goyave et Kalimosho. Incroyable. Et Art, frérot, qui se met un follow. Art, fidèle viewer YouTube. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu la notif, mais je vois Art vous a suivi, donc je te remercie quand même, frérot, même s'il n'y a pas eu la notif. Parce que je te vois commenter les vidéos et tout. C'est gentil de ta part. Il est où? Alors là, il est mort. Alors là, gros. Alors là, frère, respecte-moi, en fait. Mais il a même pas la speed trio, gros. Il sort, il a 20 spell po. Ils sont power stack, c'est un truc qui est vulnérable à la chain lightning, frérot. Bon, je suis désolé, hein, les Zamzam. Là, vous, on est d'accord. On le go. On va pas troll. Depuis peu, c'est carré. Merci beaucoup, ma gueule. Bienvenue à toi. Honnêtement, je suis un peu deck de finir là, mais en même temps, bon, on va, ouais, là, on arrête les conneries. On va pas jouer.
Par contre ça, j'avais pas capté, mais sur la route là, le moins de luck c'est ultra fort hein, en combat final. Est-ce qu'on peut se choper et ça et le go? Attends mais non mais on va... Attends non j'ai pas le mouvement. Parce que sinon ça aurait été bien choper la bague anti-spellpo mais... Boum. 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 Ok. C'est pas mal ensuite. Ça j'ai envie qu'il puisse reach un peu partout. Si on prayer. J'hésitais à lui mettre moins 3 luck au lieu de moins 2 carrément. Avec le fer à cheval. À la place de l'orbe anti-dispel. Parce que vu qu'on va se battre à la chain. Ouais, bon, bon. Chain, 6300. Il a pas d'arté en plus pour réduire le spell po. Donc là, frère. Ouais, bon. Bah. Ah, il joue Ogre Fist. Ah, il joue Ogre Fist. Mais il a quand même pas l'aspect prio au prochain tour. C'est quand même pas. C'est quand même pas de bol. Ah si, ah par contre, ah ok, ok ça play, ça play, ça play, ça play, ok 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 ok. Bon on lui a quand même mis très très cher, mais il a toujours ça et ça qui vont être chiants. Oh le bad luck. Ouais bon il a pas le beau sharpshooter. Je pensais qu'il avait beau tu vois pour me mettre bien cher dans la gueule, mais là du coup sans le beau... Par contre j'avoue que le truc il traverse ça. On a tué 20. Et le fire shield. Attends, 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 excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Mes liches ont tapé du 513. On est d'accord. Donc là, il va renvoyer avec son Fire Shield. C'est normal, il a Ogre Fist. Comment, quand je tape du 513, tu me renvoies du 486? Alors là, je veux vraiment la réponse, là. Attends, j'ai mal vu. Mais non, les Power Liches font 513 points de dégâts. Le Fire Shield renvoie 486. Mais ça se cumule pas les sphères de feu. Ça se cumule pas les sphères. Il n'y a aucun item dans le jeu qui se cumule à part les anneaux plus en attaque et défense. Mais attends, mais c'est quoi ce délire là? Bon, c'est pas très grave en soi, mais... Par contre, il m'a arraché mes Ghost Dragons. Hein. Là on lui a mangé toutes ses ripostes et on tape. Là tu vois ça c'est normal. Ça c'est 45% avec l'orbe. Mais... Oh t'as raison, il y a eu un bad... Mais non, bad luck, mais non non non, bah non. Parce que c'est mes dégâts qui sont renvoyés. Donc non, ça peut pas être ça. Bon il a pas l'arc donc go le faire chier. Et le body block. Ça, ça fait qu'on pourra reach au prochain tour, on aura la range. Bon là il est obligé de prendre R. Ouais, ok. On prayer. Ah ça va jouer hein, quand même en vrai. Si on prayer, on peut tuer ça au prochain tour avec les Dread Knight. Après on peut invoquer aussi 200 LMDR par tour. Hein. Donc faut pas oublier ça. Non, vous savez ce qu'on va faire, on va mass dispel. Il a perdu. Enfin, il faut qu'il ait leur bon dispel plutôt. Sinon il a perdu. Parce que sinon je, enfin, je lui nique deux tours en un tour. On récupère la speed prix au prochain tour avec ça. Parce que là il pourra pas les tuer ce tour-ci je pense. Il n'y a pas assez de dégâts. C'était ça son power stack en mêlée. On l'avait dit hein, c'était ça qui faisait peur et ça. Enfin il y avait ça aussi qui faisait peur mais vu qu'on l'a one shot premier tour. C'est con il avait un archange pour la speed prix haut. Je sais pas si je gagnais honnêtement. Parce qu'il pouvait vraiment me burst en mode hyper violence. On aurait pu berserk, ouais, d'accord, mais il a bien fait de me rentrer dedans comme ça, le berserk n'aurait pas fait quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'il a l'orbe anti-dispel? Parce que nous, on l'a mise. Ah, il l'a en plus, putain, ça play, hein. Mais du coup, si on prayer nous aussi, on récupère ce prio. Donc ça, c'est pas mal. Et là, ça va connect. Avec ça, on tue ça. Allez, ça va pas proc mais c'est pas grave.
Ok. Après, la speed trio, mais pas trop utile là, en vrai de vrai. Je pense qu'on va juste chain summon et il a perdu. Il pourra pas me tuer mes élèves. Je pense limite on back notre speed prio, il pourra pas nous la tuer comme ça. Après il va me tirer sur ça en pleine flèche, mais... Est-ce que c'est vraiment si gênant que ça? Ah, il peut quand même... Limite c'est air shield hein. Animate, tu penses c'est gagné? Ouais j'avoue t'as raison. Je air shield animate. Air shield quand même parce que c'est le seul truc qui peut me faire des dégâts en vrai. Si summon il en a que 80. Air shield into spam animate t'as raison. J'avais oublié, je vais pas te mentir, hein, j'avais juste oublié totalement l'existence de animate. Donc ah oui non j'aurais jamais dû taper mais c'est pas grave. Normalement ouais. S'il tape en mêlée il a la pénalité. S'il tape à distance il prend enfin je prends moins 50% et je et s'il invoque des élèves il en invoque 80 donc et en plus ils ont pas les buffs de Ogre Fist donc ils se font ouvrir. Ouais merci Nomides. Tu l'as comme mieux faire Maxi Team Forever bah Nomides. Non mais tranquille. C'est normal ça. Franchement, moi, le backseating comme ça, je m'en fous de quoi. Au contraire, je le prends plus comme des conseils et tout. Alors, on peut voir ça comme un truc unfair pour l'adversaire, tu vois. Mais c'est le seul truc où je comprendrais que ce soit gênant, tu vois. Tu me dis, ouais, l'adversaire, il... Voilà, exactement, tu vois. Tu me dis, l'adversaire, il joue à 70, je comprends, mais... Enfin, je suis tellement dans la logique où on s'en fout du MMR sur Heroes que, bah, non, en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que eux ils peuvent proc curse hein. J'ai pas envie de prendre une grosse riposte parce que j'ai pas envie que la game aille trop vite, c'est le seul moyen pour moi de perdre. Limite on animate là-dessus. Pour récupérer la speed, enfin pour garder la speed prio. Enfin, en vrai, de toute façon, qu'on fasse ça ou spam et, ici ou alors qu'on invoque, ça change absolument rien. En vrai, de vrai. De toute façon, ça sert à rien de wait, mais. Ah, il peut me kite. Ah, si, oui, j'avoue, il bouge. Ah, oui, je suis con. Ouais mais non. Non il peut atteindre nulle part. Ah non. Il peut pas me kite parce que j'ai prayer aussi. Il l'a pas tué des bords. Du coup il va... Mais attends mais... Il a troll non? Je pense que s'il bougeait comme ça il pouvait le tuer. Comme ça. C'est rajoute. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2... Ouais mais voilà. TP pour m'en tuer 6, moi j'en reste 22 donc c'est... C'est finito quoi. Bon après tu me diras avec le fire shield ouais ça m'arrache bien mais... On fait ça chaque tour et on est gagnant quoi. Après il se dit il va récupérer la speed prio mais ça changera rien la speed prio. En fait il aurait pu TP là... Enfin il aurait dû TP là même avec... Ah mais non parce qu'il veut me tirer dessus en pleine flèche. Mais ce qui me tue, c'est juste le renvoi de dégâts. Mais d'ailleurs, je suis un fou, en fait. Plutôt que taper, j'aurais juste du body block et je fais prod fire. C'est encore plus fort, en vrai, si je veux counter. Bon, on gagne dans tous les cas, mais... En vrai, on prod fire, vu que c'est que le renvoi de dégâts qui m'arrache. Hein. Et Red Knight, là où ils sont morts, c'est le fire shield... Fire shield... Ah non, quand même, les ice aussi m'ont fait 7, fire shield 7. Ah oui, non, non. Non, non en fait... Spam c'est plus fort. Tiens on a vraiment besoin, il oublie rapidement les choses, des fois il dit des trucs il oublie 5 minutes après, des fois j'oublie 1 minute après frère. Riku merci beaucoup ma gueule. Salut, ouais je suis de retour ça y est. Et salut PCRK d'ailleurs.
Oh Micha frérot, je t'ai même pas. Je t'ai même pas salué. Vas-y hein. Putain frère, on a jamais proc le x2. C'est quand même dommage cette histoire. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Bon là on reach partout vu où on s'est positionné de toute façon. Ouais c'est ça, non mais il peut pas gagner. Mais même si on n'avait pas le Animate Dead, en vrai je pense que spam invoque d'LM et on le rush pas, tu vois. On reste là avec nos LM, on en stack genre 8 et on fait Air Shield. Il nous fait aucun dégât vu qu'il a pas le bow. Sans le bow forcément ça change tout quoi. Il y a ça et aussi il avait pas d'archange. Par contre pour le coup 2-1-7, pas avoir d'archange, bon c'est vraiment du troll. En ayant fait les sides comme ça. Mais tant mieux pour moi. Par contre là il devrait GG out parce qu'il y a absolument rien qui puisse faire. Je voulais voir si je pouvais le tuer ce tour-ci mais non je peux pas. Ah le curse qui est enfin proc. Bon c'est pas le x2 dégâts mais bon au moins c'est curse. Ah si je l'aurais tué du coup en un tour si on avait Ouais frère arrête de forcer ma gueule. 80 RLM quand t'as même pas les stats frérot. GG. Tu vois 7 de rating bah ça va pas augmenter hein. Bah, ça va de ouf Micha, je suis trop content là de pouvoir stream à nouveau et tout, c'est une dinguerie. Merci Zamzam. Ah c'est marrant ce mot de passe, thanks for playing. Oublie de faire une prédit, t'inquiète Barba, y'a aucun souci frérot. En plus j'y ai pas du tout pensé hein. Pas de mytho.